Dieu de l'allégresse, Dieu bleu de tendresse, toi qui nous unis, sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous chantons pour toi, nous chantons notre joie, la joie de croire en toi, de croire en ton amour, Dieu fidèle pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons la messe du mercredi de la 31e semaine ordinaire A. Frères et sœurs bien-aimés, au seuil de cette célébration eucharistique, reconnaissons humblement que nous avons péché pour nos penchants mauvais, pour notre manque de charité, pour notre manque d'engagement au service du Seigneur et au service de nos prochains. Plongeons-nous dans le bassin de sa miséricorde pour implorer la grâce de son pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduisent à la vie éternelle. Ensemble le Seigneur. Dans cette célébration eucharistique, nous prions en action de grâce avec et pour les bienfaiteurs et les bienfaitrices de la paroisse vivant en Haïti et à l'étranger. Action de grâce pour les religieux et les religieuses qui sont sur la paroisse. Action de grâce pour Gussy, Bernard, Anne-Léa, Georges, Chilov, Beau-Prince qui attendent leur guérison du Seigneur. Action de grâce pour chaque fidèle ici rassemblé. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions, accorde-nous de courir sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu, pour les siècles des siècles.
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, le 13e chapitre, les versets 8 à 10. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Tes commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Nous allons ensemble méditer le psaume 111. Et après chaque strophe, nous répéterons « L'homme de bien a pitié, il partage. L'homme de bien a pitié, il partage. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté, s'aligner sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. L'homme de bien a pitié, il partage. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. L'homme de bien a pitié, il partage. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. L'homme de bien a pitié, il partage. S'il vous plaise de vous mettre debout pour accueillir et acclamer l'Évangile. Insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 14, du verset 25 au verset 33.
En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne veut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne veut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas à s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas à s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Alléluia. Alléluia. Chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio-télé Altagrâce, chers internautes, frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Maxime, bonjour. J'en ai eu. Avec Jésus, n'a qu'un. Chers et frères bien-aimés, l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Pour cette déclaration de Saint Paul dans la première lecture du jour, il nous exhorte à pratiquer la charité à la suite du Christ. Car celui qui aime n'a aucune dette envers la loi. L'amour du prochain, voilà le commandement que nous devons appliquer si nous voulons être à la suite du Christ. En effet, l'amour veut toujours le bien de l'autre. Si on aime quelqu'un, si on aime son prochain, on ne peut pas voler son bien. Si on aime quelqu'un, si on aime son prochain, on ne peut pas le tuer. Leur remet au monde. Et tout ça qui vient ou remet pour lui. Le remet au monde, c'est tout ça qui a fait qu'elle content, tout ça qui a fait lui heureux, tout ça qui a fait bonheur lui, c'est ça ou les pour lui. Dans l'évangile aujourd'hui, Saint Luc nous donne les conditions sine qua non pour être à la suite du Christ. Quelles sont ces conditions? Ce sont le renoncement et l'acceptation de la croix. Si le monde veut suivre Jésus, eh bien, Saint-Luc dit non, c'est pour nous charger quoi non, pour nous marcher derrière lui. De quelle croix dont s'agit-il? De quelle croix dont parle Jésus dans l'évangile du jour? Il ne s'agit pas d'une croix faite de métal fondu. Il ne s'agit pas d'une croix faite de bout de bois.
Mais ce sont les difficultés de la mission. Ce sont les incompréhensions. Ce sont les humiliations, les déceptions. Tout bagaille ça yo constitué quoi pour nous capables sur Jésus. Parce que la vie chrétienne, non, c'est un combat. Sur Jésus, c'est pas bagaille qui facile. La vie missionnaire, c'est pas bagaille qui facile. Surtout missionnaire qui vivent pas bon ici dans temps pas noir. Pas gagner la vie chrétienne sans difficulté. Même Jean yo kon souvent dit pas gagner dimanche Pâques sans vendredi saint. C'est vrai que la vie chrétienne n'est pas de difficultés, n'est pas de problèmes, mais la vie n'est pas faite de problèmes seulement, n'est pas faite de difficultés seulement. La vie chrétienne, non, il y a un bon moment là-dedans le tout. Il y a un moment que serré, comme ça tout, il y a un moment que content. En la célébration de la messe aujourd'hui, on nous demande, bon Dieu, grand maître là, aidez-nous. Mettez force dans la faiblesse, non, pour ne pas aller au découragement. Le moment croyant, venez dans la vie, non, pour nous espérer un moment glorieux, parce que pas gagner la gloire sans la croix. Amen. Sœurs bien-aimées, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, que ce sacrifice en devienne pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Le
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Pour lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Pour lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour qui nous t'offrons cette Eucharistie. Souviens-toi des défunts de notre communauté paroissiale, des défunts de nos familles. Souviens-toi des personnes tuées dans l'insécurité en Haïti. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les personnes qui célèbrent un événement heureux dans leur vie aujourd'hui. Astra, Rémi, Calixte, Bernadette en Fleuradin, Corline en Villon-Joseph, Carole Joseph, Christina Julien, Kosogu Tania, Dutreuil en François Evans, Félix Fidlin, Jean-Luc en Roland, Jean-Robert Arthur, Julie Santel, Kerler en Aspil Joseph, Marc Darren San Batol, Marguerite Lachaud, Madame Figaro Fabiola Henri Lucent, Orphée Marie Cherline, Renan Paul, Sarah Jeanne Marny Bassien, Stanley Saint-Louis, Wilfried Milor, Irline Bélisère Antoine, Randall Kimlich, Carmilla Lena Olibert, qui célèbre aujourd'hui leur anniversaire de naissance. Nous implorons ta bonté sur les personnes qui ont recommandé cette messe. Nous implorons ta bonté sur les bienfaiteurs et les bienfaitrices de la paroisse, vivant en Haïti et à l'étranger. Nous implorons ta bonté sur les religieux, sur les religieuses qui sont sur la paroisse. Nous implorons ta bonté sur les fidèles auditeurs et auditrices de la radio-télé Altagrâce qui participent à cette célébration eucharistique via les réseaux sociaux, YouTube et Facebook. Nous implorons ta bonté sur Anne-Léa Georges, sur Shilov Beauprince, sur chaque fidèle ici rassemblé. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame d'Altagrâce, avec Saint-Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
unis dans le même esprit et selon la volonté du Sauveur, ouvrons nos cœurs et nos mains pour prier en toute confiance. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre chère Haïti bouleversée. Donne la paix à tous les Haïtiens. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je peux ne pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Approchez, frère, moi, vini manger. N'en manger qui par j'en finir. Ou pas, moi, ou encore. Vini goûter dans sous la vie. Vini boire dans sous que poser. Encore, encore.
sous la vie. Merci mon Dieu, parce que on s'en paraît. Merci mon Dieu, merci. Tout sans prière dépasse les limites, non. Mais c'est pour nous faire. Merci mon Dieu. Let's go there.
Afin que renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir le bien qu'il promet. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux et toutes celles qui célèbrent un événement heureux dans leur vie aujourd'hui. Joyeux anniversaire à Astra Rémi Calixte, membre du groupe Les Enfants de la Vierge Altagrâce. Joyeux anniversaire à Bernadette Florentin, Caroline Villon-Joseph, Carole Joseph, Christina Julien, Kosogu Tania, Dutreuil François Ivens, Félix Fidlin, Jean-Luc Roland, Jean-Robert Arthur, Julie Santel, Kerler Aspil Joseph, Marc Darwin Batol, Marguerite Lachaud, membre du groupe Les Enfants de la Vierge Altagrâce. Joyeux anniversaire à Madame Figaro Fabiola Henrilus, Orphée Marie-Cherline, Renan Paul, membre du Conseil pour les affaires économiques de la paroisse. Joyeux anniversaire à Sarah Jeanne Morny Bastien, Stanley Saint-Louis, Wilfried Milor, Irline Bélisère Antoine, Randall Kimlich, Carmilla Lynn Olibert, si là où a célébré anniversaire de naissance aujourd'hui. Je souhaite que j'ai anniversaire de naissance à l'autre, à tout l'autre monde qui a célébré un événement heureux dans la vie aujourd'hui. Mais nous n'avons pas dans l'hispanois. Nous sommes et certains, nous avons écrit dans deux plamins, bon Dieu, grand maître là. Nous avons écrit dans le cœur, bon Dieu. Avant de chanter pour vous, pour nous dire bonne fête. Si il y a un monde dans l'assemblée qui a célébré un événement heureux dans la vie aujourd'hui, nous invitons à rapprocher de l'hôtel là pour nous capables de chanter pour vous, pour nous capables de bénir ensemble. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. C'est pour mon Dieu béni, c'est pour mon Dieu béni, c'est pour mon Dieu béni, c'est pour mon Dieu béni. Un petit
qui voulait suivre Jésus, c'est pour le préférer lui par rapport à tout bagay, par rapport à famille, à amis, à parents, maman, le papa, le petit lui, sans lui pas abandonner yo. Il s'est pas demandé pour nous abandonner famille non, mais lui demandé non pour nous bar leur préférence en tout. Alors en nous choisi Jésus. Comme ça, n'a dit pour nous s'annoyer. Merci à nous tous et à nous chaque pour participation dans la célébration de la messe là. Je vous passe une bonne journée et bon travail. Surtout, vous la prière pour l'autre, vous veillez sur l'autre, vous supportez l'autre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descendant sur vous et y demeure toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Le rythme de ta vie, ô Seigneur mon ami, donne à ma vie le rythme des chansons de moissons. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Serai ma vie à dire à tous mes frères que tu es.